37 ans que je suis ici à Saint-Bonnet-de-Froid. Je suis arrivé avec ma femme pour reprendre un petit restaurant familial. Du début où j'ai commencé tout seul avec ma femme, maintenant on se retrouve avec des équipes. Nous avons la chance d'avoir une soixantaine de collaborateurs sur différents sites, puisque nous avons une boulangerie, entre autres, qui n'existait pas au village. La Couloumel, qui est la suite logique de ce restaurant que nous avons ouvert au départ. Ici, nous sommes dans un lieu un peu inédit, puisque c'était l'hôtel de mon frère. Et en finalité, bien sûr, le plus important pour nous, c'est le restaurant Régis et Jacques Marcon, puisque je suis avec mon fils depuis une douzaine d'années. Souris parce que c'est quand même la boisson qui nous accompagne dans ce métier. Moi, le matin, juste après avoir fait la bise à ma femme, en me levant, c'est le premier contact que j'ai parce que j'ai envie d'un café. C'est une habitude, c'est un confort, c'est un réconfort, c'est un réveil, c'est plein de choses, le café. Et puis le café qui est toute une valeur ajoutée puisqu'il arrive enfin du repas, il devient de plus en plus important. Il est indispensable que nous, en restauration, on ait un café qui soit de qualité impeccable. Ça fait déjà pas mal de temps que nous l'avons, donc c'est pas plusieurs mois, c'est déjà une petite histoire. Elle est installée dans différents points, ici au restaurant, au bistrot, ici et à l'hôtel. Première chose, c'est une machine qui est hyper pratique pour les buffets. Ça, c'est pour moi, c'est ça presque le plus important. C'est un design qui n'est pas compliqué, très propre. Et quand vous l'avez en face des clients, c'est important. Donc on vient là pour une certaine quiétude. Et la machine peut interférer un petit peu cette quiétude. Donc là, on reste tout à fait raisonnable au niveau du son. Voilà, c'est un bruit charmant, ça. En peu de temps, on a choisi le café qu'on souhaite. Pratique à utiliser, compréhensible. On ne peut pas se tromper. C'est vraiment top, quoi. L'eau tombe à un degré pile. C'est ça le bon café expresso. Tout est bien contrôlé. Vous dites à un professionnel, ce matériel est fiable, ça lui suffit pratiquement, quoi. Fiable, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la machine ne tombe pas en panne tous les matins. Fiable, c'est que quand on lui demande un café, deux cafés, trois cafés, elle n'en fait pas quatre. Ce qui est important pour nous, c'est qu'il y ait une régularité du café. C'est fiable du premier café jusqu'au sud du soir. Il y a aussi la qualité. Et la qualité du café, c'est aussi la fiabilité.